Bonjour. Certains ont sans doute cru ce week-end des 6 et 7 mars qu'enfin la vaccination contre le Covid-19 allait connaître un coup d'accélérateur. Des centaines de centres de vaccination ont été déployés dans toute la France, pris d'assaut par la population. Des milliers de personnels ont été mobilisés. Oui, mais voilà, ces centres étaient éphémères et ont fermé le 7 mars au soir. Pourquoi? Parce que, en fait, ce coup d'accélérateur a été circonscrit au week-end, car il s'agissait d'écouler les stocks de vaccins non utilisés dans les hôpitaux. Et ces stocks risquaient d'être périmés. Plus de vaccins, plus de centres de vaccination, c'est d'ailleurs la une de la Tribune des travailleurs cette semaine. Et ce n'est pas tout. Les médecins généralistes ont eu le 7 au soir une excellente surprise à 22h. Ils ont reçu un mail du ministère de la Santé qui leur expliquait que pour la semaine qui vient, ils n'auraient plus accès à la livraison de doses de vaccins. Pourquoi? Parce que ces doses sont réservées pour cette semaine aux pharmacies. En fait, la vraie raison, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de doses et pour les médecins et pour les pharmaciens. Et donc, on a décidé de limiter les doses pour les médecins généralistes. Ce qui a bien évidemment provoqué leur colère. Ils sont en première ligne depuis maintenant des mois et des mois. Ils sont engagés dans la campagne de vaccination depuis plusieurs semaines. Et on leur apprend qu'ils ne peuvent pas vacciner cette semaine alors que les rendez-vous ont été pris. Ils doivent déprogrammer l'ensemble des rendez-vous de vaccination. Et le lendemain, cerise sur le gâteau, le 8 mars, la direction de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France donne l'ordre ferme à l'ensemble des établissements hôpitaux et cliniques de déprogrammer 40% de leurs activités médicales et chirurgicales. Pourquoi on déprogramme? Parce que le gouvernement est incapable de fournir des vaccins et n'a ouvert aucun lit de réanimation depuis le début de la pandémie. Les conséquences de la déprogrammation sont terribles. Axel Kahn, président de la Ligue nationale contre le cancer, revenait encore ces derniers jours sur ces conséquences et il explique la chose suivante. Il y aura des milliers de personnes qui périront de leur cancer, qui n'auraient pas dû en mourir, dans les 5 à 6 ans, dit-il. Et il précise, on sait que chaque mois de retard, il y a une perte de chance de 10% par type de cancer. Alors, dans une situation difficile, un contexte difficile pour les travailleurs, depuis maintenant des mois et des mois, alors que les plans de licenciement se multiplient, alors que le chômage augmente, le gouvernement a décidé à nouveau de déclarer la guerre aux chômeurs. Oui, et la Tribune des travailleurs cette semaine va décrypter ce mauvais coup contre les travailleurs, particulièrement les travailleurs qui sont privés d'emploi. Cette réforme de l'assurance chômage, elle a été lancée, souvenez-vous, en 2019. Et malgré la pandémie, le gouvernement entend accélérer son calendrier, puisque les principales dispositions seraient mises en place dès le 1er juillet, c'est-à-dire dès les prochaines semaines. Que contient cette attaque? D'abord, la modification du calcul du taux d'allocation. Vous le savez peut-être, les allocataires bénéficient d'allocations qui sont calculées à partir d'une moyenne qui est fixée sur la base des salaires gagnés sur les 12 derniers mois. De plus, ce calcul ne tient compte que des jours qui sont travaillés. L'objectif du gouvernement, c'est d'opérer un tour de passe-passe qui va inclure dans le calcul des périodes en question les périodes chômées, non travaillées. Or, on sait que la précarité et l'alternance de longues périodes d'inactivité conduit précisément à baisser cette allocation. Deuxième tour de passe-passe, c'est l'extension de la période de référence qui ne serait plus sur les 12 derniers mois, mais sur 2 à 3 années. Or, c'est souvent durant la dernière année, durant les 12 derniers mois, que, en général, le salaire est le plus élevé. Le bilan, et le gouvernement ne s'en cache pas, c'est de réduire d'1,3 milliard d'euros par an les allocations versées aux chômeurs. 38% des allocataires vont être concernés, c'est 840 000 travailleurs. Même la ministre du Travail, hein, d'ailleurs, se félicite. Elle prend l'exemple d'un smicard et elle dit que son allocation passerait de 985 euros à 667 euros,
tout ça, c'est tout bénef pour les capitalistes. Et c'est des centaines, des milliers de familles qui vont être plongées dans la misère la plus noire. Cette réforme, c'est également la dégressivité des allocations au fil du temps. Et c'est également la préparation pour octobre prochain de l'exclusion de 300 000 chômeurs supplémentaires. C'est une raison de plus, hein, cette attaque de Macron et de son gouvernement contre les travailleurs, de chasser ce gouvernement au service des capitalistes. Et c'est justement ce que diront les militants qui vont se réunir le samedi 13 mars, dans quelques jours, à l'occasion d'une rencontre de délégations de tout le pays, signataires de l'appel « Dehors Macron et sa politique, le plus tôt sera le mieux ». À ce jour, près de 8000 travailleurs s'y sont associés, constituent des délégations dans les entreprises, dans les quartiers, dans les usines, dans des administrations diverses. 200 d'entre elles, délégations, sont déjà inscrites à ce jour. On lira dans la tribune des travailleurs la diversité justement de ces délégations, et y compris la diversité des points de vue qui s'y expriment, qu'il s'agisse de salariés et de syndicalistes de l'hôtellerie à Paris qui luttent pour l'interdiction des licenciements face à des plans d'une brutalité inouïe, de destruction des emplois, de mise au chômage partiel. Également des personnels hospitaliers, hein, dont Christelle a rappelé tout à l'heure la lutte qu'ils engageaient pour les moyens qui manquent cruellement à l'hôpital public. Mais c'est également des agriculteurs, des maraîchers, des viticulteurs, des artisans, des ouvriers agricoles de l'Hérault qui ont constitué leur propre délégation pour cette conférence. Également des AESH, des militants du POID et de la France Insoumise en Bretagne qui s'associent dans cette bataille, des jeunes, hein, un lycéen angoissé comme des centaines de milliers d'autres face à la plateforme de tri que constitue Parcoursup, et au sujet d'ailleurs duquel nous revenons dans la tribune des travailleurs, dans la rubrique appelée « Page des jeunes » cette semaine. Mais également des travailleurs engagés dans la lutte de classe, dans des grèves parfois victorieuses, sur lesquelles nous revenons également dans cette rubrique, cette semaine, dans la tribune des travailleurs. Tous vont faire converger leur colère, leur expérience, leurs propositions, pour dégager des perspectives communes de rupture avec cette politique des capitalistes. Que vont-ils décider? Pour celles et ceux qui ne sont pas encore délégués, vous pouvez bien sûr le faire en écrivant aux initiateurs de cet appel, pour eux, vous pourrez le savoir en vous abonnant à la tribune des travailleurs qui en rendra compte la semaine prochaine. Alors ce n'est pas le couvre-feu ni le confinement le week-end dans certains départements qui ont empêché la commission femmes travailleuses du POID d'organiser, comme chaque année, une réunion publique à l'occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. 25 femmes travailleuses, militantes, déléguées syndicales, ont pris la parole ce 6 mars pour expliquer leurs conditions de travail, leurs conditions de femmes travailleuses, mais aussi les combats qu'elles mènent pour faire reculer les employeurs, du public comme du privé. 25 femmes travailleuses écoutées par plus de 2000 ce 6 mars. Qui étaient ces 25 femmes? Parmi elles, des déléguées syndicales d'enseignes de la grande distribution qui ont expliqué le combat qu'elles mènent contre le travail du dimanche, contre le travail de nuit. Une femme travailleuse handicapée et militante syndicale a raconté son long et difficile parcours pour obtenir un emploi. Un médecin qui est revenu sur les conséquences des retards de traitement, notamment les conséquences sur les cancers féminins. Une mère de famille victime de violences conjugales a, comment dire, dénoncé la politique du gouvernement dans ce domaine, et notamment le fait que, malgré les annonces, aucune place supplémentaire d'hébergement n'a été créée dans la dernière période. Un pédopsychiatre a raconté comment le gouvernement continue à fermer des structures d'accueil et des services d'hospitalisation. Des agents de restauration, des agentes de restauration de la Caisse des écoles du 15e arrondissement sont revenus sur la grève contre la politique de la municipalité. Une aide-soignante a raconté la mobilisation de ses collègues depuis le début du confinement et dénoncé la politique du gouvernement dans ce domaine. Une conseillère municipale a raconté le vote qu'elle a émis au conseil municipal contre la remise en cause du droit de grève, enfin la volonté de remise en cause du droit de grève par la municipalité. Des agentes de ménage de la ville de Paris ont expliqué comment elles se battaient contre la dégradation de leurs conditions de travail. Une avocate est revenue sur la situation des femmes migrantes.
Et puis, nous avions reçu un certain nombre de messages internationaux, dont des extraits sont publiés cette semaine en page 11 de la Tribune des Travailleurs. Alors, bien évidemment, ce meeting a été l'occasion de réaffirmer la position du Parti ouvrier indépendant démocratique, c'est-à-dire que nous reconnaissons la double oppression des femmes qui plonge ses racines dans l'exploitation capitaliste. Et c'est pourquoi le Parti ouvrier indépendant démocratique et sa commission femmes travailleuses font systématiquement le lien entre la défense des revendications spécifiques des femmes et le combat contre l'exploitation capitaliste. Comme les travailleurs du monde entier, les lecteurs de la Tribune des Travailleurs sont attentifs à la lutte contre le coup d'État militaire au Myanmar, c'est-à-dire l'ex-Birmanie. La répression engagée par l'armée a déjà fait 38 morts, des centaines d'arrestations. Vous le savez, c'est le 1er février dernier que ce coup d'État a été opéré. Ce jour-là, la junte militaire a pris le contrôle de l'État en lâchant Aung San Suu Kyi, en qui l'armée avait jusqu'alors confiance. Il faut dire que, profitant de la chape de plomb de décennies de régime militaire, de 1962 à 2016, puis sous un gouvernement dit démocratique, les capitalistes ont installé d'importantes usines de confection, notamment du textile, puisque ce secteur emploie 700 000 travailleurs, essentiellement des femmes. Les travailleurs y ont construit leurs propres organisations. Cette semaine, dans la Tribune des Travailleurs, nous entendons démontrer le rôle particulier qu'occupent la classe ouvrière et le mouvement ouvrier dans cette résistance contre le coup d'État. Et on peut dire qu'ils sont aux avant-postes dans la lutte pour la démocratie. En effet, cinq jours après le coup d'État, le 6 février exactement, c'est un rassemblement de 4000 ouvriers d'une importante usine de textile de Rangoon qui a été le coup d'envoi de la mobilisation au Myanmar. Dans la Tribune des Travailleurs, on lira comment des syndicalistes ont dû passer dans la clandestinité, comment des travailleurs du textile, mais aussi d'autres secteurs, comme celui de l'informatique, sont rentrés dans la mobilisation. Et ces travailleurs reviennent sur notamment l'alliance de fait qui existe entre l'armée et les patrons, dont plusieurs d'entre eux dénoncent et fournissent les informations sur les militants à réprimer. Certains d'entre eux sont allés jusqu'à menacer de licenciement celles et ceux qui entendaient manifester pour la démocratie. Nous lirons dans la Tribune des Travailleurs comment la grève a obtenu a arraché la garantie par le patron qu'il n'y aurait aucun licenciement pour fait de participation à ces manifestations. Ils disent d'ailleurs, ces travailleurs, notre priorité c'est d'abattre la dictature, car dans un régime militaire, nous serons la couche la plus réprimée. Également dans la Tribune des Travailleurs cette semaine, nous relayons l'appel à la mobilisation lancée par la coalition pour sauver Mumia Abou-Jamal. Mumia Abou-Jamal, il a 67 ans, c'est un militant ouvrier noir américain. Il a passé les deux tiers de sa vie en prison. Pourquoi ? Parce que en 1982, il a été condamné lors d'un procès truqué qui avait soulevé l'indignation dans le monde entier. Et il n'a été sorti du couloir de la mort qu'après une importante campagne internationale pour sa libération. En réalité, il n'a pas été libéré. Sa peine a été commuée en prison à vie. Et d'ailleurs, ni les républicains ni les démocrates ne l'ont sorti de prison, ni n'ont même ordonné une quelconque enquête fédérale. Souffrant de diverses maladies, Mumia Abou-Jamal vient d'être testé positif au Covid-19. Sa vie est donc en danger. Et nul doute que les lecteurs de la Tribune des Travailleurs, les militants et les organisations ouvrières et démocratiques du monde entier répondront à l'appel qui est lancé à s'adresser aux autorités américaines pour exiger d'elles sa libération et son transfert dans un hôpital qui permettra de le soigner. Le 18 mars prochain, c'est le 150e anniversaire de la proclamation de la Commune de Paris, premier gouvernement ouvrier de l'histoire. Alors, vous le lirez dans l'éditorial de la Tribune des Travailleurs cette semaine, certains pensent qu'il n'est plus nécessaire de commémorer la Commune de Paris. D'autres pensent au contraire qu'il est important de commémorer la Commune de Paris. Le problème est que, parfois, ceux qui pensent qu'il faut la commémorer, par exemple Madame Hidalgo, maire de Paris, dans le même temps, allonge la journée de travail des employés de la ville de Paris.
avec la mise en place des 1607 heures. Alors, la Commune de Paris, Madame Hidalgo, ce n'est pas l'allongement du temps de travail, mais c'est au contraire la diminution du temps de travail. Pour sa part, le Parti ouvrier indépendant démocratique appelle le 20 mars à 10h, tous et toutes, à manifester place Gambetta en hommage à la Commune de Paris. Abonnez-vous à la Tribune des Travailleurs. Au revoir. Au revoir.